des CNC Vorgängen der Schweizer Kreis. Er ist im Jahre 1852 von Schweizer Offizieren aufgrund ihrer ersten Versammlung in Lottl auf diesem Fels gestrichen worden. Darunter gibt es eine 180 Meter tiefe Höhle, die von König Wilhelm II., Friedrich Wilhelm III. Und Friedrich Wilhelm IV. Besucht worden ist. Aus diesem Grunde nennt man sie nun die Preußen-Königsburg. Bis 1848 war der Kartoleienburg dem Preußischen Reich erwählt. Ici à la sortie des bassins sur l'avant du bateau sous la croix fédérale une grotte de 180 mètres de profondeur de son vrai nom la grotte de la Taufière que l'on a également appelée la grotte du roi de Russie car c'est dans ces grottes qu'ont été reçus successivement par les chemins des Brenets Frédéric Guillaume II 1814 Frédéric Guillaume III 1819 qui revint en prince régnant en 1842. À l'époque, la région de Neuchâtel était une principauté personnelle des rois de Prusse jusqu'en 1848. La croix fédérale ainsi que ses trois inscriptions ont été rénovées il y a plus d'une quarantaine d'années par un groupe de spéléologues qui avaient découvert dans cette grotte des ossements d'ours d'une espèce d'une très grande taille. Rechts von ihnen liegt der Rekufels. Von diesem Felsen machten die berühmten Springer Girard und Froidevaux ihre ersten Sprungversuche aus der Höhe von 27 Metern. Auf diesem Felsen sind die höchsten Wasserstände datiert. Es gibt also bei Hoch- oder Tiefwasserstand Unterschiede bis zu 22 Metern. Jetzt sehen Sie die Wasserstand, rote Zahl. Regravé rouge ici à droite. Au niveau de la touffe d'air, juste ici à droite, une partie des dates les plus hautes inondations, vous les voyez en rouge. 1882 la plus haute, 1910, 55, 57, 1990 la dernière. Vous voyez qu'à cet endroit, le tout est très capricieux des variations de 22 mètres entre les sécheresses et les inondations. De ce rocher que les célèbres plongeurs tels que Gérard Duloc, surnommé Quadieu et Froidevaux, qui avaient fait leur début de plongeon d'une hauteur de 22 à 27 mètres. Ils avaient construit un plongeoir sur ce rocher et jette bien leur début. Nous allons découvrir à l'arrivée des records.